Paix et joie, shalom, shalom, mon frère, ma sœur, demeure béni au nom de Jésus. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je t'invite à commencer à rendre grâce au Seigneur. Commence à le louer. Commence à le célébrer en ce matin. Commence à dire ses hauts faits. Même si rien ne va dans ta vie, commence à le bénir, à lui dire Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te rends grâce pour toutes choses, pour ma famille, pour ma santé, pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce qui ne va pas encore dans ma vie, Seigneur, je te rends grâce. Nul n'est comme toi, nul ne peut se comparer à toi, sur la terre, dans les cieux, personne n'est comme toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu pareil à toi. Oh Seigneur, je veux te louer, mon âme veut te bénir en ce matin. Alors le psaume de ce jour, le psaume 103, déclare « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. » Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que Dieu prend soin de toi? Que tu le vois, que tu ne le vois pas. Que tu le saches, que tu ne le saches pas. Que tu le constates, que tu ne le constates pas. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne laisse pas tomber. Et en ce matin, il faudra que tu lui renouvelles cette alliance, que tu lui renouvelles ton amour, que tu lui renouvelles cet abandon, cette confiance en lui. Alors Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire merci pour mon frère, ma soeur qui m'écoute, pour toutes ces personnes qui ont confiance en toi, même ceux qui ont perdu l'espoir. Alors Seigneur, ce matin, redonne-le encore l'espoir, l'espérance en ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Seigneur Esprit Saint. Ravive en nous le feu de ton amour. Ravive en nous la gloire de Dieu. Ravive en nous tous tes bienfaits, toute ta tendresse, tout ton amour, que nous puissions réaliser tout ce que tu fais pour nous, chaque jour, chaque moment, chaque instant de notre vie. Alléluia. Oh, je sais, Seigneur, je sais, je sais. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, la force divine. Je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer, car je sais que tu es là. Mon frère, ma sœur, il y a des moments, tu ne sens pas, tu ne vois pas, tu n'arrives pas à discerner l'action de Dieu dans ta vie. Alors ne pars pas avec tes sentiments et tes sens, avec tes émotions, non. Parce que même si tu ne vois pas,
alors il faut que tu saches, il faut que tu connaisses la vérité. Parce que Jésus nous a dit que c'est la vérité qui nous rendra libres. Et la vérité, c'est que tu es un enfant de Dieu, que tu es un choisi de Dieu. La vérité est que le Seigneur regarde à ta vie tous les instants de ta vie. La vérité est que Dieu prend soin de toi comme la prunelle de ses yeux. La vérité est que ton nom est inscrit sur la paume de la main de Dieu. La vérité est que si, même si tu traverses le feu, Dieu t'en délivrera. Même si tu traverses les eaux, Dieu t'en délivrera. Car l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas ta place. C'est juste un passage pour toi. Et tu vas arriver certainement à la gloire. Alléluia. Alors l'épreuve de la croix, c'est la vie de tout chrétien. Alors il te faut porter ta croix, vivre avec cette croix, jusqu'au jour où le Seigneur te fera arriver à la gloire de la résurrection. Alléluia. Alors même si je ne vois pas Seigneur, même si je ne touche pas encore Seigneur, je sais que tu es mon Rédempteur et que tu te lèves le dernier. Je sais que tu es mon Rédempteur et que ma vie va être transformée. Je sais que tu es mon Rédempteur et que je serai guéri. Je sais que tu es mon Rédempteur et que mes enfants vont réussir. Je sais que tu es mon Rédempteur et que mon foyer, mon mariage va marcher. Je sais que tu es mon Rédempteur et que je réussirai. Je ne serai pas ceux qui échouent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu qu'il sait qu'il est là, qu'il sait qu'il est là, qu'il sait qu'il agit et qu'il est tout puissant. Alléluia. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, le Père des orphelins. Oui, je sais que tu es là. Oh, moi je sais que tu es là pour tous les opprimés. Je sais que tu es là. Mon âme veut t'élever, mon âme veut t'élever. Mon âme veut t'élever, Jésus. De la vie, mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'adorer, car je sais que tu es là. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta force, car c'est toi-même qui nous as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors Jésus-Christ, merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton esprit en nous et avec nous. Merci pour sa puissance sur nous. Merci pour la force qu'il nous donne ce matin afin de marcher contre tout ce qui vient à nous et d'être victorieux. Oh, merci Paraclet. Merci Paraclet. Merci Paraclet. Alors, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur comble les désirs de ton cœur, que le Seigneur fasse tomber sa volonté dans sa vie et que rien ni personne ne puisse l'en empêcher au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.